Mesdames et messieurs, où que vous soyez, vous faites bien d'être euh, sur Congo Live Télévision à nous de vous accompagner une fois de plus euh, en scrutant de près l'actualité sécuritaire dans l'est du pays. Aujourd'hui, euh, comme vous le savez, mesdames et messieurs, pendant qu'on nous annonce une trêve. Elle est en vigueur depuis le vendredi dernier, mais il faut retenir aussi qu'il y a violation directement de cette trêve humanitaire. Voilà, on nous dit qu'elle est humanitaire, mais à vous de vous poser aussi beaucoup de questions tenant compte des faits, si c'est humanitaire ou pas, ou soit il y a d'autres raisons qui sont cachées derrière ce qu'on nous fait savoir euh, d'humanitaire. Alors, ça reste en cours jusqu'au 19 juillet 2024. Parce que c'était une trêve de deux semaines, mais il faut aussi préciser que les rebelles ont attaqué. Les rebelles M23, toujours appuyés par les RDF. Alors, comme on l'a toujours dit, c'est abusivement qu'on les appelle les euh, M23, mais il faut préciser que ce sont les RDF, tenant compte du nombre aujourd'hui des militaires rwandais sur le sol congolais, tenant aussi compte de tous ces aspects sur le plan diplomatique quand les Rwandais sont en train de euh, poignarder la République démocratique du Congo dans les dos pour n'y n'est pas cette sympathie vis-à-vis -vis de la République démocratique du Congo. Vous allez vous rendre compte mesdames et messieurs que c'est bien le Rwanda qui est derrière tout ce qui se passe. Bon, c'est vrai derrière le Rwanda, il peut avoir aussi ses partenaires qui l'appuient, ça c'est tout à fait normal et logique parce que ça n'a aucun sens aujourd'hui de voir un pays venir agresser un autre sans pour autant sans avoir aussi le soutien des grandes puissances. C'est le cas pour le Rwanda aujourd'hui. Alors les rebelles, comme je le disais, ont attaqué les positions de Ouazalendo à Nyange et Moukegwa. C'était le mercredi dernier, 10 juillet 2024. Après d'intenses combats qui ont été signalés, les RDF M23 ont réussi à récupérer les villages de Nyange et Moukegwa, de Biboué, centre, ainsi que la colline de Kitso. Et là, c'est bien sûr, tenant compte de cette position géographique, c'est tout juste derrière la paroisse catholique des Biboué, toujours dans le territoire des Massissi. Alors, c'est comme c'est aussi tout près du territoire des Routchourou avec les euh, groupements chefs, euh, la chefferie pardon, des Buitos, où on a encore vu un mouvement des populations dans toutes ces agglomérations. Alors, c'est encore une fois. Une violation, comme j'étais en train de le dire, parce que ça avait commencé au premier jour où des crépitements, des échanges, de tirs étaient signalés, sans pour autant connaître euh, aussi la provenance de tout ça, ce qui a motivé les différentes parties à s'affronter encore une fois. Il n'y avait pas de raison. Tout juste, lorsqu'on avait mis, qu'on avait euh, euh, décrété cette trêve. Et voilà, aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça continue. On nous a parlé d'une trêve humanitaire, mais jusque là, la vraie. La vraie raison qu'on nous a toujours avancé, on n'en voit pas toutes les missions humanitaires déployées, aucune assistance humanitaire, parce que si vous voyez le territoire des lubero d'abord Kanyabayunga et puis euh, Kirumba, aucune assistance. Au moment où on avait d'abord enregistré dès le départ des milliers de déplacés qui avaient quitté Rutshuru pour aller trouver aussi un refuge ou trouver cette quiétude dans les territoires des lubero. il n'y avait pas d'assistance humanitaire. Et aujourd'hui, lorsqu'on nous parle d'une trêve, tout le monde pensait que ça serait ça la raison pour qu'il y ait ce couloir aussi, en fait, de faciliter la libre circulation de tous les humanitaires, enfin fait, d'assister valablement les déplacés. Jusque-là, ce n'est pas encore fait, mais voilà, c'est encore une fois des affrontements qui sont signalés. Et qui a attaqué le, en premier C'est le RDF M23. Alors, les villages de Lukweti n'est pas parce qu'il faut aussi préciser les informations ont circulé et vous, vous allez vous rendre compte encore une fois que ce sont là c'est toujours pardon l'armée numérique de l'ennemi qui veut tromper l'opinion disant que les villages de Loukoueti est entre les mains des rebelles alors c'est pas vrai parce que Loukoueti n'est pas occupé par les RDF M23 alors comme je le disais il y avait un mouvement des populations la population qui avait donc fui euh, qui avait pris Fuite pardon, euh, la toutes ces entités, voilà avec euh, dans le territoire des routes beaucoup plus dans euh, la chefferie des Buitos, toutes ces populations commencent à regagner leurs villages. Et là nous sommes à Kibirizi, Boalanda, Kichiche, Lusowa et, et euh, même euh, intimidement d'autres populations regagnent facilement la euh, les disons, les villages des Bambos et là où on a même signalé des cas de pillage, des cas de pillage qui ont été aussi amenés par les milices d'autodéfense près d'IM23. Ils ont aussi ils ont créé leurs milices d'autodéfense pour créer aussi une cacophonie. Parce que quand leurs milices seront entrées, semer des troubles, des désordres, ça et là, on va dire que ce sont les Ouazalendo. Et pourtant, ce n'est pas les Ouazalendo. Donc tout ces faux Ouzalendo qui que vous écoutez, ça et là, Mesdames et messieurs, il faut vous rendre compte que les M23 ont joué aussi à ces jeux-là. Et ils ont même créé leurs euh, milices d'autodéfense. Et ce sont ces milices qui ont euh, pillé dans Bambo et d'autres euh, villages, euh, toujours à côté de Bambo. Et ça, comme je le disais, c'est les M23 qui ont créé donc, euh, ces milices pour aussi aboutir à toutes ces fins. Alors, il y a aussi... Euh, D'autres effets, parce qu'aujourd'hui, avec cette guerre d'agression, mesdames et messieurs, ça reste très complexe. Où chacun cherche à tout prix à euh, faire tourner la situation en sa faveur, en utilisant tous les moyens possibles. Voilà aujourd'hui les RDF qui commencent encore une fois à les faire. Déjà, ils, ils, ils n'hésitent pas aussi à s'apprendre à la population, parce qu'il y a des Congolais qui sont restés dans tous ces milliers-là, là où aujourd'hui l'ennemi est entré, décontrôlé. Alors ça reste très complexe, comme vous pouvez le constater. Et les populations, tantôt elles se déplacent, tantôt elles sont encore une fois obligées de regagner leur domicile, comme ça, 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 ça a été voilà, le cas hier, avec beaucoup plus la chefferie des Bouito, où vous avez toutes ces localités, tous ces villages qui ont justement enregistré ces mouvements massifs des populations. Alors, dans tout ça, mesdames et messieurs, ça s'inscrit encore une fois dans une diplomatie aujourd'hui qui ne tourne pas en notre faveur. Parce qu'à tout moment. Il y a des actes diplomatiques qui sont menés et la République démocratique du Congo, c'est comme si nous, 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 on ne se retrouve même pas dans tout ce qui est prononcé. Mais nous, dans les discours, nous venons aussi pour dire oui, nous contrôlons bien la situation avec cette trêve, parce que c'était euh, la, sous la recommandation des États-Unis d'Amérique, à toutes les parties, les États-Unis avaient demandé à la RDC, au Rwanda, même au M23, parce que les, les États-Unis dissocier un tout petit peu les, les, les agissements du M23 aux agissements des euh, RDF. Mais à tout instant, mesdames et messieurs, c'est tout un corps, c'est toute une coalition qui est entrée d'agir en agressant la République démocratique du Congo. Alors, c'est encore une fois une façon d'être roulé, roulé pardon, dans la farine pour la République démocratique du Congo, parce qu'on nous a parlé d'une diplomatie où on devrait être à l'offensive dès lors qu'on n'avait pas... Aussi euh, des bons résultats sur les lignes de front, il fallait qu'on soit aussi à mesure d'apporter un bon discours pour amener tout le monde derrière nous. Mais comme nous n'arrivons pas à les faire, militairement, il y a aussi des couacs où nous avons une armée qui est en pleine réorganisation, où les militaires, les, certains éléments, d'abord les nouvelles recrues dans les FRDC sont en train de cibler une formation. Pendant qu'on doit être au point, mesdames et messieurs, il fallait qu'on ait une diplomatie aussi. La vraie agissante, pas tout ce qu'on nous chante matin, midi et soir, qu'elle est agissante, et pourtant nous n'obtenons toujours pas des de bons résultats sur le terrain. Pourquoi Parce qu'il y a aussi un couac dans tout ce que nous observons aujourd'hui, parce que c'est comme si le Rwanda, Paul Kagame, a une longueur d'avance sur nous. Comment expliquer Au moment où le Rwanda est en train de préparer les élections, c'est pendant ces temps-là qu'on nous impose. Parce que c'est vrai, publiquement on nous a dit c'est une trêve. Les États-Unis ont proposé une trêve. Mais mesdames et messieurs, derrière ça, il faut dire qu'il y a une imposition. Parce que dès lors qu'on n'a pas voulu écouter la position du gouvernement congolais par rapport à ces trêves, on nous a juste imposé une trêve et nous on a accepté. Et voilà, mesdames et messieurs, là où ça nous amène aujourd'hui. Pourquoi Parce que le Rwanda lui prépare fraîchement ses élections et il ne sera peut-être pas à mesure de gérer les processus électoral au Rwanda ou tous les yeux des citoyens rwandais doivent être beaucoup plus fixés sur ces processus électoraux. Kagame veut avoir une forte participation de la population rwandaise dans ces élections. Pour y arriver, il doit s'épargner des, euh, des différentes charges, surtout militaires, parce que les élections, il faut les sécuriser. Nous tous, nous connaissons comment est-ce Kagame a procédé par un déploiement des militaires rwandais sur les sols congolais, parce qu'il n'avait pas des effectifs aussi pour lui rassurer de bien sécuriser les élections. Alors, c'est encore une fois avec les mêmes militaires qu'il a déployé sur les fronts pour euh, euh, la conquête sur la, pour la conquête voilà de Kanyabayonga et Kirumba. Ce sont ces mêmes militaires. Parmi ces militaires, il y a ceux-là qu'il a, euh, qu a appelés à regagner les sols rwandais pour sécuriser les élections. Nous connaissons tous que les militaires ne votent pas. Mais il y a un déplacement. Les militaires rwandais quittent les lignes de front à Kanyabayonga il quitte toutes ces zones pour venir aujourd'hui, pour rentrer au Rwanda, en fait, d'assurer une bonne sécurité de leurs élections. Donc, le Rwanda ne pouvait pas se battre avec la RDC sur le sol congolais, pendant qu'il est dans un processus électoral. Ça reste parmi l'une des raisons aujourd'hui qui explique cette trêve qu'on qu dit qu'elle est humanitaire. Et pourtant, c'est faux. Donc, c'est une trêve diplomatique et militaire. Comment expliquer pendant que nous sommes dans une trêve, les M23 RDF ont attaqué les positions des FARDC dans les territoires des Massissi, groupement Bachali Mokoto. Comment expliquer cela, mesdames et messieurs Comment vous expliquer aussi le mouvement des militaires rwandais Pendant une trêve, ils quittent les sols congolais. Ce n'est pas parce qu'ils ils, ils, ils cèdent au préalable de Kinshasa, selon lesquels le gouvernement rwandais doit d'abord. Retirer ses troupes en République démocratique du Congo avant toute discussion avec les Rwandais. c'est pas ça la raison. Mais ils quittent tout en sachant qu'ils vont regagner encore une fois toutes ces entités. Mais parce qu'il y a carence des militaires au Rwanda, parce qu'ils n'ont pas des effectifs aussi pour assurer une très bonne sécurité de leurs élections, voilà pourquoi ils regagnent les Rwandais aujourd'hui. Alors, dans tout ça, c'est comme c est, c est la République démocratique du Congo qui est roulée dans la farine. Nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pendant que les Rwandais violent? Laissez cesser les faits. Qu'est-ce que nous faisons Il n'y a aucune assistance humanitaire. Mais nous, nous sommes là pour nous plaindre encore une fois. Je viens fraîchement de lire un communiqué du porte-parole militaire du gouverneur du Nord-Kivu qui déplore encore une fois, qui condamne les attaques parce que nous sommes aussi forts dans les condamnations. Les États-Unis condamnent les Nations Unies condamnent toute la communauté internationale condamne le gouvernement congolais aussi condamne. Même les régimes de l'état des siège ici en province du Nord qui vous condamne aussi les gens qui sont censés prendre les bonnes décisions et agir condamnent aussi parce qu'on ne comprend pas comment ça c'est arrivé encore une fois dans une trêve on devrait aussi parce que on, nous on, on a dit qu on, nous, que nous respectons ces trêves au lieu d'en profiter aussi pour nous réorganiser militairement parce qu'avec ce qu'on a enregistré comme perte dans euh, c'est quoi encore disons, dans dans, dans, à Kanya voilà même à Kirumba, tout ce qu'on a enregistré comme perte, mesdames et messieurs, il fallait se remettre en cause et se préparer en conséquence pour justement venir après la trêve et mener les offensives. Parce qu'on a accepté cette trêve, on nous a imposé une trêve et nous on a accepté. Moi j'ai toujours demandé en quoi sommes-nous souverains Parce que quand ce sont les États-Unis qui nous imposent, au lieu d'étudier tous les paramètres, voir si réellement cette trêve elle est en notre faveur ou pas, nous on a juste accepté. Parce que les Rwandais, je vous assure, la gamme était déjà en longueur d'avance par rapport à nous. Et voilà pourquoi elle a obtenu cette trêve. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, elle est en plein, plein processus électoral. Il, il était embrouillé par les histoires de la campagne. Et voilà, aujourd'hui, il obtient une trêve pour lui rassurer encore une fois, définir avec cette charge et puis poursuivre avec ses aventures en République démocratique du Congo. Mais nous, comme on n'a pas vu tout ça, il fallait continuer. C'est vrai, on a perdu les grandes entités aussi importantes. Mais avant. D'arriver à Boutembo parce Il y a aussi des, un espace sur lequel nous pouvons mener les affrontements, les attaques vis-à-vis -vis face à l'ennemi. Mais on n'a pas fait ça. Nous sommes encore une fois, on a accepté et voilà là où nous nous trouvons aujourd'hui. En bref, mesdames et messieurs, ça reste très complexe comme vous pouvez le constater. Mais le plus important dans tout ça est que. La République démocratique du Congo manque encore une fois une orientation claire dans tout ce que nous faisons. Que, surtout avec le gouvernement. Parce que nos diplomaties aujourd'hui, ce sont des revers qu'on qu qu commence à enregistrer aujourd'hui. Et pourtant, nous sommes au débit avec le gouvernement, j'ai dit, sous Il y a eu, premier débâcle, c'était avec euh, euh, le, disons, la rencontre à Zanzibar, où on a vu les représentants du pouvoir de Kigali, c'est du, du pouvoir de Kinshasa autour de la, de la Tanzanie, euh, il y avait aussi le Sud-Soudan et le Kenya. Et pourtant, vous-même, vous connaissez la position qu'a le Kenya aujourd'hui. Mais comment est-ce que le Kenya se, re, se retrouve encore une fois parmi les pays qui doivent assurer cette médiation Moi, je ne sais pas quest ce qui nous empêche aujourd'hui de mettre un terme à ce qu'on voit aujourd'hui comme diplomatie. En ce qui concerne euh, la, la, les retours de la paix dans l'Est du pays, pour les retours de la paix dans l'Est du pays, pourquoi on doit toujours associer les AC Moi, j'ai Préfère qu'on considère l'EAC comme étant un organe d'échange économique. Et ce moment viendra quand la paix sera rétablie dans l'Est du pays. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler économie pendant que nous sommes en guerre. Je ne vois pas la Tanzanie, l'Ouganda, je ne sais pas quel autre pays, mener des échanges économiques avec la République démocratique du Congo. Tout en sachant aujourd'hui qu'il y a un s'en va pas avec tous ces pays. Parce que l'EAC ne peut plus aujourd'hui réunir, disons, Créer un cadre d'échange avec la République démocratique du Congo et, et les Rwandais. Ça, ça ne s'explique pas. Voilà pourquoi Kinshasa a voulu corriger la situation en, 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 en communiquant dans l'opinion, disant que les seuls cadre sur lesquels on s'appuie, c'est le cadre des Rwandais, donc le processus des Rwandais. Mais comme nous sommes allés à, au, au niveau de Zanzibar pour discuter avec les Rwandais sur base de quels principes. Sur base aussi de quel leitmotiv qu'on s'est fixé nous comme République démocratique du Congo. Voilà les premiers hivers Aujourd'hui, on a accepté une trêve, voilà là où ça nous amène aujourd'hui. Parce que c'est encore une fois des affrontements qui continuent et les militaires rwandais font toujours des mouvements ça et là. Alors, en gros, mesdames et messieurs, c'est très complexe, vous pouvez le constater, mais moi je nous renvoie toujours à nos propres responsabilités. Parce que c'est bien beau de condamner les Rwandais, c'est bien beau de dire... La communauté internationale est en train de soutenir le Rwanda. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour amener cette communauté internationale enfin qu'elle puisse agir en faveur de la République démocratique du Congo Qu'est-ce que nous faisons Et là, c'est bien sûr les, 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 les différentes attitudes qui doivent nous caractériser à l'interne. Pas les histoires de détournement, parce que quand vous détournez, personne ne va vous prendre au sérieux. Quand vous-même, vous, vous n'arrivez pas à tenir un discours aussi cohérent. Tantôt nous disons ça, demain nous allons dire ça. Vous ne voulez pas parler avec le Rwanda, mais on vous voit avec le même Rwanda à Zanzibar. Vous voyez, donc, il y a ce manque de cohérence. Et à un certain moment, ça pousse. Même certains partenaires qui avaient cette tendance de, de ranger derrière la RDC, ils ne vont pas les faire parce qu'ils vont dire qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne savent même pas dans quoi est-ce qu'ils sont. C'est comme ça que nous sommes traités au niveau extérieur. Nos politiques sont à autre chose. C'est là qu'ils sont censés aujourd'hui s'approprier cette question. C'est vrai, ça concerne toute la nation, mais il y a les gens qui doivent assurer ces leaderships-là, qui doivent amener tous les peuples autour justement de cet idéal commun pour obtenir tout ce que nous pouvons estimer comme étant aujourd'hui un lendemain meilleur pour la République démocratique du Congo. Mais nous-mêmes, nous n'arrivons nous pas à les faire. Comment voulez-vous que les autres les fassent à notre place donc à un certain moment, moi je l'ai toujours dit, c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. À grande partie, c'est dire notre propre responsabilité. Où nous n'arrivons pas à faire, à avoir une attitude aussi responsable. Les dirigeants, même la population, parce que la population elle aussi, c'est vrai, elle peut vous dire, nous soutenons l'armée, nous soutenons le Rosalindo. Mais les mêmes efforts que ces Rosalindo sont en train de faire, si les manifestent sur les lignes de front, des fois nous n'arrivons pas à les capitaliser. Tantôt ce sont ces mêmes oiseaux qui ne sont pas aussi bien pris en charge, même non militaire. Pourquoi Parce que les, 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 les pouvoirs, disons, les, les, c'est là à qui le chef de l'État a donné sa confiance n'arrivent pas à bien jouer les rôles et sont en train de les décevoir. Voilà, mesdames et messieurs, les ras -le bols que nous avons aujourd'hui, parce que si ça continue comme ça, je vous assure, la situation risque d'être très compliquée. Pour nous. Parce qu'on n'a pas aujourd'hui un partenaire sérieux avec lequel on peut travailler. Même la SADEC aujourd'hui, elle balbutie Tantôt, elle est là. Euh, Jusqu'à là, d'abord, on n'a jamais senti la SADEC dans des vraies opérations sur les lignes des fronts. On n'a jamais senti la SADEC. Mais elle aussi, elle était en train de déplorer les frappes qu'elle subissait de la part de l'ennemi. C'est ce qu'elle faisait aussi, cette SADEC. Bon, puisque là les faits d'abord pour les Rwandais d'être contre la SADEC, ça nous avantage. Le Rwanda qui est contre la SADC, qui n'est pas d'accord avec le déploiement des troupes de la SADEC, qui ne veut pas que l'OMI accorde un soutien à cette SADEC, déjà c'est un avantage. Pourquoi Parce que la SADEC n'est pas trempée dans les mauvaises choses, n'est pas aussi trempée dans tout ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme complot contre la République démocratique du Congo. Mais où on peut situer aujourd'hui la SADEC. Est-ce réellement elle est avec la RDC ou soit elle est aussi entrée d'étudier les terrains voir comment elle peut se positionner. C'était comme ça avec l'EAC. AC. Les AC personnes voyaient les AC nous trahir comment? Elle a fait? Les Kenya vous-même vous connaissez le rôle qu'a joué les Kenya dès le départ avec le processus de Nairobi où toutes ces milices locales euh, on les, a, on avait, les leaders de toutes ces milices étaient partis à Nairobi dans le cadre justement du programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire. On avait vu comment ils étaient tous mobilisés, les, mili, les, les, les miliciens, sauf les M23, parce qu'on avait dit, le M23 est considéré comme un mouvement rebelle, est considéré comme aussi un mouvement soutenu par les pays voisins, et voilà, le M23 ne peut pas avoir accès à cette table. Mais le M23, qu'est-ce qu'il avait fait Comme il n'avait pas y accès, il avait intensifié ses frappes sur le front politique. Et les Rwandais avaient appuyé Mordikis. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous comptons plus de militaires rwandais sur le sol congolais que les éléments M23. Pourquoi Parce qu'ils ils ont un objectif des circuits économiques. Et voilà pourquoi ils sont en train de tout faire pour ne pas perdre des repères. Mais je crois que comme la population n'est pas avec eux, c'est ce qui nous pousse à être optimistes. Comme la population reste toujours derrière son armée, derrière les Wazalendo, ça rassure parce que la population gagne toujours. Que vous le voulez ou pas, la population gagne toujours. C'est là qu'ils peuvent s'aventurer en allant dans les M23. C'est justement une perte de temps pour rien. Ils sont en train de perdre leur temps là-bas, mais ils ne vont pas obtenir, ils ne vont pas arriver à leurs objectifs parce que la population n'est pas avec eux. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de notre production aujourd'hui sur Congo Live Télévision, bien sûr. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Alors, prenez donc rendez-vous avec nous demain. Tout de même, commentez, partagez. N'hésitez pas aussi demain, tout ce que nous venons de faire comme production, apportez aussi vos avis, vos contributions dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans les pays. C'est très très euh, utile. Nous contactez nous aussi au plus de 143 9 98 72 43 14 plus de 143 9 98 72 43 14 à demain